Deuxième jour de la semaine, deuxième film en compétition, le démantèlement. Le monde rural au Québec est le cadre de cette belle histoire de transmission. Le film atteint en douceur un classicisme humaniste d'une très grande ampleur. Je voudrais parler de quelques-uns des interprètes. Tout d'abord Sophie Desmarais, que vous verrez également dans Sarah préfère la course, qui est à certains regards. Le rôle du père est interprété par Gabriel Arcan. Si un film est l'orchestration d'éléments, images et sons, alors Gabriel Arcan pourrait dire qu'il est le premier violon de cet orchestre. Son jeu, magnifique, bouleversant, est à l'unisson de tout ce que le film nous offre. Maintenant, je vais appeler l'équipe à nous rejoindre sur scène. Et tout d'abord, le réalisateur Sébastien Pilote. Ensuite, les interprètes. Gabriel Arcan. Gilles Renaud, Lucie Laurier, Sophie Desmarais, le directeur de la photographie Michel Laveau, le concepteur sonore Olivier Paulvert. Et le producteur Marc Daigle. Sébastien, quelques mots. Quelques mots. Bon, ben, c'est un cliché, on le dit toujours. C'est très difficile de parler d'un film. C'est facile d'en parler après, pour les Q&A et tout ça, mais c'est très difficile d'en parler avant. Alors, je vais dire peu de choses. J'ai retourné le film à l'automne. On vient tout juste de le terminer. En fait, j'ai terminé le film et une semaine après, on apprenait officiellement la sélection. Alors, on n'a pas vraiment eu le temps de prendre beaucoup de recul. Je suis très, très content d'être ici. Je tiens à vous remercier. C'est un honneur et une très belle plateforme pour lancer le film. Très content d'être entouré de mon équipe, évidemment. Pour faire une histoire courte, en fait, c'est que je voulais faire un film. J'avais fait déjà mon premier long métrage qui s'appelle Le Vendeur, qu'on avait lancé au festival de Sundance. Par la suite, j'avais aussi circulé dans d'autres festivals, évidemment. Ce que je voulais avec le démantèlement, en fait, c'était raconter l'histoire d'un père un peu comme le père Goriot d'Honoré de Balzac, chez qui le sentiment de la paternité se serait développé jusqu'à l'excès. Donc, c'est un homme qui décide de tout sacrifier pour ses enfants, pour ses deux princesses. Un jour, j'avais lu François Truffaut qui disait, après un échec personnel, un de ses films qui n'avait pas très bien fonctionné, il avait dit qu'un film avec un personnage sur une pente descendante ne pouvait pas fonctionner. Et ça m'avait fait réfléchir, et je m'étais dit, je vais essayer d'écrire une histoire avec un personnage sur une pente descendante, parce que j'aime ça faire du ski, du ski alpin. Mais je vais tenter de trouver une manière pour qu'en même temps qu'on vit la pente descendante, pour qu'il y ait en fait une espèce de sentiment de montée, donc une montée dramatique, une montée émotionnelle. C'est ça donne le film, le démantèlement. Je dois dire que je suis heureux d'être avec mon équipe, mes collaborateurs, Michel Laveau, qui a fait des images fantastiques avec lesquelles je travaille sur mes deux longs-métrages. Aussi Olivier Calvert, qui est le meilleur concepteur sonore canadien, selon moi. Il prouve que même en travaillant avec ses oreilles, on peut avoir une vision. Le duo des filles du père Goriot, en fait, de Gabi. Gilles Renaud, l'ami comptable, qui joue l'ami comptable, qui est le faire-valoir, on pourrait dire le fou du roi. Et Gabi, joué par Gabriel Arcan, j'aimerais lui laisser la parole. J'étais ici à la semaine de critique avant que la plupart d'entre vous ne soient au monde, en 1972, avec un film de mon frère Denis, qui est cinéaste au Québec, qui s'appelait La maudite galette. Et on est vraiment ravis d'être ici et on remercie la Semaine de critique. C'est une plateforme fantastique pour le film. Et c'est un événement extraordinaire que la France a su organiser au fil des ans. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Et j'espère que le film va vous plaire. Voilà. Merci.
Merci à vous et bonne projection. Merci.